s'est perdu sur des chemins. En vagabond, s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser. Comme des nomades enflammés, et au caché, j'ai retrouvé, à la recherche de liberté. Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, j'ai au caché, j'ai retrouvé. Nous sommes enfin prêts à rêver, j'ai au caché, j'ai retrouvé. J'y retrouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête, vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver. J'ai au caché, j'ai retrouvé. Vous apportez de la gaieté. J'ai au caché, j'ai retrouvé. Allez, venez, venez, vous amusez. J'ai au caché. Regardez comme c'est magnifique ce coin qui descend à la falaise avec une vue splendide à travers le rocher là. On va attendre un petit peu parce que juste derrière nous apparemment il y a une géocache, donc on va attendre un petit peu. Bon, apparemment, alors les gens sont partis là, ils étaient au niveau du siège là, et apparemment ça disait asseyez-vous et profitez-en. Donc pour moi c'est que ça doit être dessous. Alors tu regardes dessous du coup? Dès que tu t'assois, t'en profitais pas. Je vais regarder, hein. Faut que je m'allonge. Donc ça dit asseyez-vous et profitez-en. Et si vous allez par là, hop, que vous vous asseyez et que vous promettez la main là, hop, vous avez trouvé cette jolie boîte qui fait un sourire plutôt. Elle est belle, hein. Elle est aimantée apparemment. Voilà. Donc dedans, il y a que le logbook apparemment. Hop. Qui est comme un vieux journal, c'est marrant. J'aime bien. Regardez. Sympa, comme un vieux journal. Bon, ben on va loguer puis on vous reprend plus tard. Donc on continue de descendre et on va aller sur la plage. Et donc on est sur une plage où il y a plein de falaises autour. Madame, je trouve nous un petit peu froid. Bah, ils disent que c'est dangereux là, apparemment, il risque d'éboulis. Bah, forcément. Hein. Et l'endroit est magnifique, comme vous pouvez voir. Ces falaises sont superbes. Ah ben voilà, c'est pas être tamé. Et en fait, tout le long, c'est une plage de sable blanc, là. C'est magnifique. Et juste là-bas, vous avez un restaurant, apparemment, juste au bord. C'est vraiment bien. Et il y a une genre de grotte un peu plus loin. Tiens, je vais aller voir ça. Vous avez juste là un restaurant indien, donc avec sûrement vue sur la mer. C'est sympa. Et là, juste là, il y a une espèce de grotte. Alors, c'est un genre de petite caverne avec un puits. Non, ça va, ça doit pas être trop profond, donc... Regardez les plantes là-haut. Périgot d'Angers. Ah ouais, donc ça a été cimenté, il devait y avoir un trou là, c'est marrant, hein. Voilà. Alors j'ai trouvé un trou dans la falaise. Et apparemment, je vois de loin de la lumière. Alors je vais regarder. De loin, je voyais de la lumière. Ah ouais, je vois un tout petit peu de lumière au loin. Je sais pas si on la voit à la caméra. Mais au loin, je voyais un petit peu de lumière. Vous avez le petit restaurant qui est là. Juste face. Il y en a un autre en face là. À la plage. Regardez, on est à côté des falaises.
un endroit qui a l'air bien joli. Voilà. Et nous, on va aller par là-bas, parce que par là-bas, donc, il y a une petite chapelle ou église, je ne sais pas. Et il y aurait une cache juste à côté. Donc, on va en profiter pour la voir. Et alors, apparemment, elle est sur un promontoire directement au-dessus de la mer. Vous voyez, comme là, là, il y a une plage. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, la plage, là. C'est une plage de sable fin. Avec l'eau. Ah, l'eau, elle est bleue, bleue blanche, bleu clair. Regardez ça, si c'est joli. C'est vraiment beau, il y a un restaurant juste à côté. Et nous, on va aller vers la petite chapelle là. Et alors, tu vois, regarde, c'est un promontoire qui est. On arrive comme sur une presqu'île quoi. Ah ouais, regardez cette plage aussi, comme elle est belle. C'est vraiment beau. Hein. Bon, je vais regarder la géocache où c'est qu'elle se trouve. Nous sommes à 40 mètres. Et là, on arrive sur un endroit où cette église est magnifique. On ira la prendre de plus loin, là-bas. Ah, il y a une caméra. Alors, elle est par la gauche. Elle serait par là. On serait à côté ici. Alors, tu sais quoi? Tiens, tiens-moi ça et filme en ma direction. Je l'ai vu. Alors, regardez la vue d'ici. C'est magnifique. Et la cache, je vais vous montrer où c'est qu'elle est. Donc on est l'église est juste là. Et la cache. Voilà, madame Géo, trouve-nous juste là. Oh, je me suis fait mal au tibia. Tu fais mal déjà? Ah oui. Alors madame Géo, trouve-nous est là. Et la cache est juste là. Donc je vais la prendre et on va loguer. Et donc à l'intérieur, il y a un petit bouquin. Alors là, il y a de la place pour écrire, hein, avant que ça soit plein. Une petite carte de pub et un petit crayon. Style Ikea. Donc on va loguer et on vous reprend plus tard. Faire le tour de cette jolie chapelle. Non, c'est la chapelle pour les pêcheurs. La chapelle de Notre-Dame du Rocher, ça s'appelle. Et alors ce qui est marrant, c'est que vous voyez que finalement l'avancée qu'il y a là, et ben cette chapelle, elle est sur une avancée pareille. Donc c'est pas mal. Alors je sais pas si on peut aller à l'intérieur. En tout cas, l'eau, elle est bleue ici. Et nous sommes côté Atlantique, donc. On dirait un bateau. Oh, il y a des amoureux là-bas au bout. Oh, regarde. Si c'est marrant, ça. T'as vu? Ah, c'est joli. Avec les coquillages. Ouais. Et là, pour s'asseoir, là. Tu n'auras pas t'asseoir là? On arrive au bout. T'assois là? Au milieu? Alors je me mets comme ça. Bon ben voilà, on aura vu cette petite chapelle avec plein de cadenas comme vous avez vu.
C'est les cadenas des amoureux qui se trouvent hop juste là. Regardez, mais ils sont beaux, je sais pas si je les ai filmés, je les ai filmés quand même. Et il y a un genre de barbecue à côté après. Allez. Vous prenez votre petit coquillage et puis vous pouvez. Il n'y a pas que des cadenas, il y a des coquillages, vous pouvez le mettre là. Et là il y a l'endroit où, où les gens viennent brûler leurs bougies. Regardez. Je croyais que c'était un barbecue sur le coup. Mais non, c'est pas un barbecue. Et cette chapelle qui est vraiment très belle, regardez ça. Et je dis regardez, désolé mais je le dis. Avec ces bancs, ils sont jolis. Hein. Ouais. Oh, c'est la Vierge. Ah, regarde, il y a un petit escalier là. Il y a encore des cadenas ici. Avec une petite. Un petit puits. Et regardez, il y a voir, mère. Si quelqu'un de vous l'a posé ici, et ben, est-ce qu'il reconnaît le sien? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc regardez, encore un endroit splendide pour cette vue. Ça donne envie d'aller là-bas au bout, là. Hein? C'est vraiment beau. Hein. Oh ouais, c'était un puits. Après, c'était peut-être de l'eau salée. Hein. Bon, il y a une porte, je sais pas où c'est que ça va. Je vais essayer de me mettre là-bas pour voir la chapelle depuis là-bas. Bon, ben voilà où on était, sur cette chapelle, là, juste là. Donc on est rentré par là, hop, on a fait tout le long, on a fait notre geocaching. Et regardez en dessous, magnifique plage.